Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo tutoriel comme celle que j'avais fait pour les deux Arch Linux pour installation avec une UEFI et en BIOS. Mais cette fois-ci, je vais prendre la Void Linux, une petite distribution Rolling Release qui est basée sur XBPS, un format de pack indépendant. J'avais déjà parlé de cette distribution il y a 6 mois à peu près et j'avais envie de voir ce qu'elle était devenue. Je sais qu'elle est passée récemment au système de démarrage Runit. En lieu et place de systemd, donc on va voir ce que ça donne. Donc s'il y a des couacs, vous étonnez pas, parce que hier ou avant-hier j'ai fait une installation, ça s'est pas trop mal passé, mais ça a pris une éternité, donc j'espère que ça va mieux se passer aujourd'hui. Dans le cadre de cette installation, je vais mettre une base XFCE autour de laquelle je broderai par la suite. Donc là je crée une machine virtuelle, tout ce qu'il y a de plus basique, voilà, bien équipé tant qu'à faire. Là on met ça là. Alors, ensuite, tac, on va mettre ça comme ça. Vous voyez comment je crée une machine virtuelle maintenant. Ça ne sera pas secret si un jour vous voulez faire aussi vos tests dans machine virtuelle ou faire même use avec des systèmes que vous ne connaissez pas. Voilà, voilà. Le site étant voidlinux.eu, tout un seul morceau. Voilà. Donc, elle se base sur le noyau LTS 3.14. On peut faire soit installation en réseau, soit installation, puis mettre à jour. Je vais prendre la deuxième option, par sécurité. Ce sera un peu plus rapide aussi l'installation, même si elle ne couche de « on met à jour par la suite ». Donc, on commence par définir le clavier français. Et deuxième chose, avant de lancer l'installateur, on va passer un petit coup de CFDisk, qui maintenant prend en charge tout ce qui est partition GPT. Voilà. Donc là, on va faire le partitionnement habituel en mode BIOS. Donc la première partoche qui sera en extended 2 et qui sera pour boot de 512 mégas. On va créer une partoche de 4 gigas de swap. Voilà. C'est 82 que je voulais, merci. Et deux partoches, une de 20 gigas pour l'espace root, le reste étant pour l'espace home. Voilà, donc ce qu'il y a quand même tout ce qu'il y a de plus classique et de plus basique. Et maintenant, on lance l'installateur. Il est quand même assez sympa. Voilà, c'est quand même plus agréable que. C'est un peu plus agréable que les scripts, même si j'aime bien essayer les scripts. Donc, on commence par le clavier. Pâté, 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 pâté. Voilà, on descend jusqu'à la bonne définition. Voilà, 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 voilà. La source, on va prendre image ISO. On va se connecter, on va déjà créer pour le réseau, comme ça on va être sûr certain d'avoir du réseau par la suite. Voilà, voilà, voilà. Moi, comme ça on est sûr certain que s'il y a besoin du réseau, ça fonctionnera. On met la locale. Qui va bien. Voilà. Le mot de passe. Comme on est en clavier français, ça devrait passer sans aucun problème. L'endroit pour mettre le chargeur de démarrage. Comme on a partitionné, on peut sauter l'étape. On installe, configure les points de montage. La partoche swap, comme ça, on est tranquille. La partoche boot. La partoche root. Et bien sûr, la partoche home. Voilà. Et on installe l'ensemble. C'est le récapitulatif, l'ensemble des formatages qui aura lieu. Donc là, comme je fais une installation avec les paquets, mais ça date en gros de 3 semaines, donc il y a pas mal de paquets qui ont été mis à jour. On s'en occupera. C'est la première opération qu'on fera, mettre à jour l'ensemble des paquets installés. C'est quand même plus rapide que de passer par le réseau. Ça évite aussi comme ça de stresser le réseau pour rien. Je sais aussi que bon, c'est mieux par moment de passer par l'installation réseau, mais il suffit qu'un paquet soit un brin faisandé pour que toute l'installation soit portée avec. Et c'est quand même ennuyeux. Donc là, on fait l'installation. C'est une vraie rolling release, contrairement à la LMDE, la SolidXK et toutes les autres dont j'oublie le nom, dont je m'excuse. C'est comme la Pizzi, comme la Arch Linux, comme la Manjaro,
comme l'Antergos, c'est une vraie rolling release. Là où il n'y a pas à tortiller, c'est une vraie rolling release. Voilà, il y a quelques petites erreurs sans grande gravité. Voilà, on peut déjà redémarrer. On redémarre et on va se retrouver avec notre système fraîchement installé et horriblement lourd. Il doit faire dans les 250 mégas installés, à peu près. Donc on vérifie. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être déjà de s'occuper du fichier etc. rc.conf. Bon, déjà, avant toute chose, bien sûr. rc.conf, il faut quand même mettre à jour. Oh, il n'y a pas grand chose, il y a quoi, 38 paquets à mettre à jour. Donc, il y a quand même un nouveau noyau, apparemment. Ouais, donc il y a quelques petites nouveautés, un nouveau noyau, un nouveau grub. Donc il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais il vaut quand même le mettre à jour. Et on voit la présence de LibreSSL, le fork d'OpenSSL fait par les codeurs d'OpenBSD. C'est quand même courageux déjà de proposer LibreSSL. Ça ne peut pas ôter le courage au maintenant de la distribution, c'est pas si mal déjà que le faire maintenant. Un peu long, mais bon, c'est sorti mieux de faire directement l'installation par réseau, mais au moins déjà j'ai une base qui est fonctionnelle. Et puis le réseau donne pas mal, donc ça augure bien pour la suite. C'est très bon augure pour la suite. Et tiens, XBPS est aussi mise à jour, tiens, au passage. Voilà, voilà, voilà. Donc tout se passe bien pour le moment. Avant de redémarrer, je vais quand même installer Nano et modifier le fichier etc.rc.conf qui est un peu le centre nerveux de la distribution. Donc normalement ça avance pas trop mal. On voit quand même que le noyau mis à jour aussi, c'est sympa. Je pourrais installer le noyau 3.15 ou 3.16, mais là j'ai pas envie de me prendre la tête, je reste avec le noyau LTS. S'il est proposé, c'est pas pour des raisons, c'est bien pour une bonne raison, c'est qu'il est moins casse, moins ennuyeux que le noyau plus récent. Voilà. Donc là, je vais juste installer Nano, etc. rc.conf. Donc là, on va mettre Europe Pulse. Alors, on va configurer le nom d'hôte de la machine que j'ai oublié
Donc on va mettre Fedora Void Linux. On va pas se compliquer la vie, n'est-ce pas? Donc vous voyez déjà, l'ensemble est en français. C'est déjà un bon point. Par contre, il y a des problèmes avec le réglage horaire. Donc il faut passer par le bon vieux lien symbolique que je suis en train de saisir. Il se faut remplacer Europe-Paris par le lien, par le, la zone horaire de votre lieu de résidence. On va faire un petit reboot. Prochaine étape, installation de Xorg, d'Alsa et de quelques petits outils supplémentaires. Alors, on démarre directement sur un noyau 3.14.17. Voilà, c'est quand même déjà un peu mieux pour le nom. On fait la totalité d'Xorg, on va pas s'ennuyer. Hein. Donc on va rajouter mczip, unzip, p7zip, alsa utils pour le son. GFFS qui servira pour Tunar par la suite pour qu'il puisse afficher les médias movibles. On va rajouter cups, ça ne mange pas de pain. Voilà. Pendant ce temps-là, on va voir combien prend de place l'ensemble. Même pas 500 mégas d'installer. Je m'excuse, c'est pas ce que ça mange. Il y a encore la salle des trucs. Pendant ce temps-là, on va créer le compte utilisateur. Comme ça, on n'en parlera plus. C'est moi M, moi G, Will. S, moi C. Pour avoir le nom d'utilisateur complet. Voilà. Le mot de passe de l'utilisateur et obligatoire avec XFCE, on va rajouter l'accès au compte audio pour mon utilisateur. Comme ça au moins on est tranquille. On va vérifier aussi que quand voilà, normalement c'est bon, c'est bon. Alors là c'est bon, pendant ce temps là il m'installe tout ça. Après je vais rajouter Network Manager Applet qui va m'installer aussi Network Manager. On va rajouter et le début du XFCE quand même. XFCE, et après je rajouterai XFCE avec mousepad et le greffon de pour le, tout ce qui est météo. Mais là on va commencer déjà par installer Xorg et on verra bien. Chaque chose en son temps. Parce que XFCE, contrairement à des environnements plus complets, dépend vraiment des locales pour afficher le texte de l'interface. C'est ça qui est un peu ennuyeux. Donc j'espère que d'ici une vingtaine de minutes, la vidéo sera finie, que ça vous aura donné un bon aperçu d'ensemble de la Void. Et ça vous donnera peut-être envie de la tester. Mais il ne faut pas oublier que c'est une distribution encore jeune, qui manque pas mal de paquets, donc il ne faut pas non plus être trop enthousiaste et, ouais dire super ça dit ce que ce de mes rêves. Il faut pas oublier que comme toutes les distributions il y a des points forts et des points faibles, et comme c'est une distribution qui doit avoir un an et demi ou deux ans, son point faible c'est qu'elle a pas une Logitech ultra super développée. Déjà le premier point, on va installer notre ami XFCE et on rajoutera des outils comme Firefox, Thunderbird, Flash, j'essaierai de retrouver le moyen pour l'installer. Et bien sûr, LibreOffice, qui ne propose la version 4.2. Ils sont assez, c'est une release qui est quand même assez conservatrice par moment. Ça unit le meilleur des deux mondes. Voilà, voilà, voilà. Par contre, je vous montrerai par la suite, il faudra activer Dbus pour activer aussi Network Manager, sinon Network Manager ne démarre pas. C'est un brin ennuyeux. Pour ne pas dire plus. On voit quand même que c'est assez rapide à installer. La récupération est assez rapide et l'installation, c'est ouf. On n'a pas le temps de dire ouf que c'est déjà installé. Ça change de certaines distributions qui commencent par un N, qui commencent par un S, qui finissent par un N et qui sont dérivés de la Gentoo Linux. Voilà, ça, c'est la crasse de la journée.
très bien, c'est que tous les paquets sont bien signés. Ça fait quand même plaisir à voir. Donc on a combien côté taille? Un peu plus de 800 mégas. Donc je pense que l'ensemble fort dans les 2, 3, 2 gigas, 2, 3 gigas. Ça, avec LibreOffice, Thunderbird, Firefox installé, on sort dans les 3 gigas. Ce qui n'est somme toute pas excessivement lourd. Surtout pour une distribution aussi jeune que celle-là. Et aussi complète que celle-là sur certains plans. Donc la partie un peu longue, c'est la création du cache des polices qui a tendance à s'éterniser. Bon, là on peut prendre un petit café et revenir avant qu'il finisse de traiter les polices ou quoi? Il faut quand même arrêter le café parce que j'en suis quand même à 8 tasses par jour là. Ou presque, donc ça fait un peu beaucoup. Et c'est pas bon pour le battant. Pas bon du tout même. Bon, alors tu avances ou je te fous un coup de pied au... Ouais. Voilà, c'est presque terminé. C'est bon, on avait quand même ces 200 paquets. On en est à combien côté taille? 1 giga 1. C'est pas accessible déjà vu tout ce que j'ai installé. Donc là on va rajouter ça utile. Ça, je vais installer, c'est pas bien grave. Je vais installer, c'est pas grave aussi. Alors ça utile Network Manager Applet. Mousepad XFBurn. XFCE4. Ah, autant pour moi, je l'avais déjà installé. J'avais un petit doute, au moins comme ça, ça évite de réinstaller des paquets à plus savoir qu'en faire. Donc là, 34 mégas récupérés, ça sera pas excessivement long. Étant donné qu'il y a pas mal de dépendances de Network Manager qui ont été installées, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors pendant ce temps-là, je vais quand même déjà créer les liens vers les services qu'il faudra lancer par Runit. J'ai un petit doute parce que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser Runit, donc comme là je m'en pense bête. Ok, c'est bien sûr, c'était ça. Voilà, donc comme ça, j'ai fait. Ah, j'ai mis un S alors qu'il ne faut pas les mettre. Voilà, on fait la même chose pour Cups et on fera la même chose pour Network Manager quand il sera installé. Et bien sûr, on enlèvera le lien vers DHCPCD qui permet de lancer le réseau. Donné qu'il y aura un Network Manager qui prendra sa place. Donc après, il ne restera plus qu'à installer LightDM et les greffons GStreamer pour après pouvoir démarrer sous XFCE. Donc on en est peut-être à quoi? De 1 giga 3, 1 giga 4. J'aime que des environnements, enfin des distributions qui ne sont pas gourmandes dans l'espace disque. Quoi, je vais aussi de rajouter Gparted si c'est disponible. Ça ne mange pas de pain. Gparted est disponible et comme ça installera des dépendances. Donc on va créer le lien vers Network Manager. D'accord, j'ai compris.
Note pour moi-même, ne jamais faire ça. Voilà. Network Manager. Var Service. Et si on va dans Var. Rudy. On a l'ensemble des services qui sont lancés par défaut. Voilà. Donc là, déjà. Donc on va installer LightDM GTK3 Greeter qui ne sera lancé que quand j'aurai créé le lien dans Var Service. C'est le même principe que le système CTL de système D. J'installe le greffon météo. C'est bien ça qui s'écrit comme ça. Oui. Merci la mémoire. Donc on va continuer avec tous les greffons GStreamer. Bon. Alors, on va parler avec l'option query. Comment s'appellent les greffons? Ok, donc on va mettre GST, voir qu'il va nous répondre avec GST. Ah voilà, je préfère, c'est quand même mieux. Alors XBPS install GST libav pour tout ce qui est X264 GST plugins. Pour les deux générations. Pour génération 0.10 et 0 et 1. Point quelque chose de GStreamer. Oups là. Plugins good one. Et il ne me manque plus que la version ugly. Plugins ugly. Voilà, comme ça au moins c'est pas ce que ça a coûté sur le disque dur, mais comme ça on aura tous les greffons audio vidéo possibles et imaginables, ou presque. On pourra rajouter libdvd css pour décoder les dvd vidéo si disponible, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc là c'est quand même assez rapide, là on doit être dans les 1 giga 2 à peu près. 1 giga 3. Quelle lourdeur de l'ensemble. C'est incroyable parce que c'est lourd. Voilà. Donc je n'ai rien oublié. On va juste virer. Comme j'ai créé MC, je vire cette référence et on va redémarrer. C'est pas obligatoire de redémarrer maintenant, mais c'est mieux comme ça pour ne pas prendre en compte tous les services que j'ai rajoutés. Là, si on va sur les options avancées, et les deux noyaux, je virerai le 3.14.15 dès que je n'en aurai plus d'utilité. Pas qu'il soit chargé, mais ça permet toujours de faire un petit peu de nettoyage. Voilà, maintenant on va juste. Méchant mon manager. Hein. Méchant mon manager. Donc je vais vérifier que c'est toujours en français. On va voir déjà si je vais créer les répertoires, c'est bon, sans créer en français. Donc là on va lancer LightDM avant de l'activer pour de bon. Ah, j'aime voir ça. Donc là je passe en plein écran temporairement. Donc là, il va me créer LightDM. Enfin, il va créer la session exceptionnelle en français. Ouais! Ça, c'est agréable. Voilà, donc il n'y a que l'horaire, qui est le fuseau horaire qui me casse un peu les noix. Méchant sale bête. Je l'aurai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ça, c'est un petit problème récurrent avec cette distribution. Donc, alors, nous avons dit, on va commencer déjà.
On va passer en mode route. On va installer passer le clavier en français. Charal. Disposition. Non merci, je le veux en français et en 105 touches. Merci et au revoir. Voilà, on va aller ça. Voilà. Install. On va chercher NTP. On va le synchroniser. NTPDFR pour NTP.org. Et normalement, ça devrait me faire gagner les 2 heures qui manquent à l'appel. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'il me répond là? Sale bête. Alors, est-ce que le fichier local, etc. Est-ce que le fichier local time est bien créé? Et non, il n'est pas créé. Oh, l'enflure, il m'a encore mal créé le fichier local time. Je ne sais pas pourquoi il me le fait. Donc, on va saisir du direct. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mal dû saisir la commande. Et là, ça m'énerve à chaque fois. Cherche zone info. Europe Paris. Et maintenant, on crée le fichier qui va bien. Voilà, au prochain démarrage. Normalement, ça va mieux. On va essayer quand même un petit coup d'NTPD pour voir ce qu'il me dit. Cette fois-ci, il va m'arranger l'heure. Non, il ne m'a pas arrangé l'heure. Ah si, il m'a arrangé l'heure. C'est bon. Normalement, il ne va pas charger l'heure, lui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? C'est bon. Alors, on va faire exit. Donc là, pendant ce temps-là, on va rajouter le greffon audio. Et le greffon météo. Donc là, j'espère qu'il va fonctionner. Propriété. Ça ne fonctionne pas, tant pis. Mais il y aura un petit bug que je rapporterai sur le canal IRC. Donc là, c'est bon. On peut créer le lien pour activer LightDM au premier démarrage. Donc là, on passe par l'historique. Ah, c'est bon, 19h21, j'aime ça. Étrangement, le greffon ne veut pas fonctionner pour la météo. C'est quand même ennuyeux. Donc, je vais essayer de mettre notre ville. Oups, ça. D'accord, j'ai compris. Il y a un plantage graphique qui est apparu. Oula, je ne sais pas ce qui se passe. On va redémarrer ensemble. Mais qu'est-ce qui me fait comme bug? Le vilain méchant. Donc là, on va se déconnecter. Mais punaise. Punaise. Là, je sais pas ce que, je comprends pas ce qui se passe. Là, je vous avoue que c'est bon. C'est pas bien ce que je vais faire, mais. Peut-être le décalage horaire qui fait ça. Là, j'avoue que c'est la première fois qu'il me fait ce bug. Donc là, c'est sûrement un bug lié au problème de décalage horaire que j'ai mal dû saisir la commande à l'origine. Bon. Espérons que maintenant il n'y aura pas de problème. Ah bon, ça devrait aller un peu mieux. Non, là c'est des aléas du direct, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, je vais voir si je peux pas modifier la zone. Donc on va changer pour une ville un peu plus assez proche. On va chercher Caso. Quitte à quoi, 15 bornes, 20 bornes d'ici, 30 maximum. Sinon je verrai sur Bordeaux, mais c'est étrange que ça me fasse ce bug.
C'est la première fois que bon mais ça plante, c'est tout quoi. Hein. Ça sera un petit bug dans la void, dans son greffon. Bon, ne va pas fonctionner. Mais il va avoir l'air si j'y suis. Hein. Bon, pas fait, il va. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Le son qui fonctionne apparemment. Enfin, du moins, on peut toujours régler le son. Y supporter. Donc, hop, ça, zut. Voilà, déjà, c'est agréable. Donc là, on va rajouter tout ce qu'il faut pour compléter l'installation, c'est-à-dire un navigateur internet, c'est i18nfr si mes souvenirs sont bons, ensuite je vais rajouter de quoi avoir le courrier électronique et bien sûr après LibreOffice. Bien sûr, je pourrais rajouter GIMP, je pourrais rajouter pas mal d'autres petits outils, mais déjà c'est pour vous montrer la distribution. Mis à part le gros bug qu'a fait graphique, je ne sais pas pourquoi. Donc là c'est une arme, vous voyez qu'on peut tout à fait gérer tout ce qui est média éjectable, enfin média amovible, comme les CD, les DVD, les Blu-ray, bref, tout ce que vous pouvez mettre. Donc là, on va aussi installer Thunderbird. Et LibreOffice. Voilà. Donc pendant que ça s'installe, ça. Donc normalement, notre ami Firefox va répondre présent. Et normalement aussi en français. Si tout se passe bien. Ah, j'aime quand ça fonctionne. Voilà, on a mis Firefox 31. En français, c'est agréable quand ça fonctionne. Pendant ce temps-là, on va voir ce qu'il y a de fourni par défaut. Bon, j'ai pas tel que j'ai rajouté. XFBurn, il y a Risletto, il y a. Bon, mais c'est un environnement basique de XFCE, n'est-ce pas hein. Tout ce qu'il y a de plus fonctionnel. Avec les options de déconnexion, le réseau. Par contre, je comprends pas pourquoi le greffon ne veut pas fonctionner. Ça, c'est étrange. Je ne comprends pas pourquoi le greffon météo nous refuse de fonctionner. Ça, je verrai sûrement sur le canal IRC de la voix de Linux qui m'expliquera pourquoi. Mais là, j'avoue que c'est un peu bizarroïde. Et c'est ennuyeux. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Donc, vous voyez quand même, c'est une bonne distribution. Mis à part le bug tout à l'heure, je n'ai pas compris pourquoi elle me l'a fait. Il y a quelques bugs de jeunesse, comme le fuseau horaire qui est mal pris en compte. Quand même ennuyeux. Donc pendant qu'il s'installe, je vais essayer de retrouver le moyen de configurer pour ajouter Flash. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la void, ça va pas être très marrant. Je sais, je serais pu passer par sudo, mais là, je passe directement par MC, enfin par contact et route directement. Rappelle plus. Allez, passe où dans deux. C'est pas des fautes, non. Là, je suis en train de chercher parce que je ne me rappelle plus. Donc, je sens. Ah, voilà. xbps.conf.
Là non plus. Alors, voyons. Ok, donc c'est current non free. Alors, je ne veux pas que tu prennes des noms, c'est pas ça. Yes. Alors, je vais où ça maintenant? Ah, zut, je ne me rappelle plus! Ah! Mémoire de poisson rouge! SBPS, je vais prendre conf. Ah, d'accord. Ok, je vois à peu près où c'est. C'est vrai que toutes les distributions qui ont leurs moyens pour configurer les dépôts, c'est assez ennuyeux à la fin. XBPS, il est passé où? Ah, je trouve plus. Ah, c'est là. C'est quand ça claque les yeux. Voir si en rajoutant ça, ça le fait. Sinon, je sais ce qu'il faudra faire pour remettre à zéro. Là, j'avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je vais un peu à l'aveuglette. Donc, on fait un rafraîchissement des dépôts. Ah. Et on fait XP query. En recherchant notre ami Flash. Voilà, bien sûr. Alors, ben bien sûr, c'était ça qu'il fallait que je fasse, tout simplement. Aléa du direct. Yes. Adobe Flash Plugin. Donc vous voyez quand même que ce n'est pas la vidéo du super pro qui sait ce qu'il fait, que moi j'aime quand c'est naturel. Même si ça part un peu en cacahuète par moment, c'est aussi bien. Donc côté bureautique, notre ami LibreOffice 4.2, 4, donc il faudra que je prévienne peut-être que une mise à jour est disponible sur les sur le canal de XBPS, sur le canal de la Void. Donc déjà, c'est agréable quand même de voir tout en français. C'est sympa. Donc là, on va bien voir que notre ami Firefox a le greffon Flash activé. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut rajouter pour finir. On va dire GIMP déjà. On va rechercher pendant ce temps-là ce qu'il y a comme outil musical. Donc on va chercher Quadlibet peut-être. Exile non plus. Resonbox, ouais, il y a Resonbox. Est-ce qu'il y aurait VLC par hasard? Il y a VLC aussi. Il n'y a pas de petit outil léger pour la pour l'audio. Peut-être Noise. X-Noise, très bien. Donc on va rajouter X-Noise et VLC.
Voilà. Donc, on va voir ce que donne notre ami Gimp. Donc, c'est vraiment très agréable à l'emploi. Donc, c'est une bonne petite distro, quoi. Mais le problème, c'est que il y a encore quelques petits défauts à arrondir, comme l'histoire du fuseau horaire qui n'est pas complètement pris en compte. Donc, c'est normalement qui dit, ouais, parce que le 2014 est sorti très récemment. Donc, ce qui manque peut-être, c'est un outil graphique de gestion de paquets, mais ça, c'est vraiment pour démocratiser vraiment à mort la. Enfin, pas démocratiser, mais à répondre vraiment au-delà du petit cercle des amateurs de distribution en rolling release. Là, je vais voir combien elle pèse quand même avec tout ce que j'ai mis dessus. Même pas 3 gigas. On a quand même XFCE, on a LibreOffice, on a de quoi écouter de la musique, on a de quoi regarder les vidéos. Que demander de plus, hein? Bien sûr, j'ai mis des petits outils, des outils légers, mais déjà elle est vraiment bien équipée. Déjà, oui, ça on peut dire vraiment que elle est bien équipée pour une petite distribution. Sur le plan, je parle bien sûr, sur le plan par le marché, parce que c'est vraiment une distribution qui est vraiment nichesque dans le sens toute petite, qui fait bien son boulot, quoi. C'est le genre de distribution que j'aime bien, quoi, donc. Et on va finir par exemple avec Xchat pour le. Tout ce qui est discussion IRC. Bah, donc vous voyez, mis à part le bug de tout à l'heure. La flèche graphique et tout ce qui est elle est quand même assez utilisable. Donc je sais pas ce que ça va donner Cubes, par contre je vais lancer sans grande conviction. Bureautique, 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 accessoire peut-être. Non. Système alors. Voilà, j'ai l'impression. Bon, mais là je comprends pas pourquoi il est déjà open, est-ce qu'il y est au moins. Non, il n'y est pas. Donc il est déjà open, je vais chercher en vitesse ce que c'est. Il en manque un petit outil, pas grand chose, auquel je n'ai pas pensé. Donc on va regarder en vitesse, on se trouve XDG Open et puis je trouverai sûrement rapidement avec XDG Open cédant. Là, 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 là. Donc je vais voir peut-être XBPS Query. Mais bien sûr, tout simplement, hein. Je le vois. C'est XDG Utils que j'ai oublié d'installer. Bon, mais là, c'est ma faute, là. Bon, ce sont des dépenses qui manquent. XDG Utils. Normalement, si on relance notre ami Cubes, on devrait normalement afficher la page de connexion de Cubes. Ah, voilà. J'avais seulement oublié d'installer cet outil. Donc, voilà. Bon, mais c'était pour vous présenter en vitesse la Void. Vous montrer comment on l'installe, puis peut-être vous donner envie de l'installer, peut-être pas, mais au moins vous aurez vu comment on peut mettre en place une distribution un peu alternative et qui change un peu tout ça. Allez, je vous laisse. Ah, j'ai oublié un petit truc, bien sûr. Bon, mais là, ça va s'éteindre comme ça, sûrement. Ah bien, ça s'éteint pas. Donc, j'ai oublié encore peut-être un petit paramètre. Peut-être aussi que c'est un bug de l'IDM. On va voir si je peux trouver le groupe en question. Audio vidéo, story scanner, envelope, user, expander, input, peut-être polkit. Je vais essayer ça. Si c'est sûr, c'est l'inverse. Donc je vais voir si en me connectant, déconnectant, je peux enfin éteindre la machine
Sinon, il faut jouer avec le canal pour canal IRC pour savoir si on peut faire pour l'éteindre. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit ça. Non, mais ce n'est pas ça. Donc, ben, tant pis, on va passer par la ligne de commande. Hein. Donc là, je ne sais pas quel est le truc qui manque. Mon seul petit bug de la void. Voilà, bon, ben, c'est chose qui arrive après tout. Hein. Je vous laisse en espérant que vous avez bien apprécié cette vidéo. Allez, à plus!